Amis photographes, bonjour, bienvenue sur GL Photographie. Alors aujourd'hui c'est repérage sur le terrain, forêt, clairière. On va essayer de trouver des coulées pour des coulées d'animaux, des traces, des indices pour prévoir un affût peut-être dans quelques temps. Donc on va poser certainement une caméra et on reviendra la semaine prochaine. Donc c'est parti, on y va. Tu vois, toute la difficulté, Fred, c'est de trouver le bon emplacement pour mettre la caméra et donc éventuellement pour l'affût qu'on fera, j'espère, ce week-end. Alors là, on voit a priori l'entrée d'un terrier. On ne sait pas s'il est occupé ou pas sur la gauche. Avec, si on se dirige un petit peu vers ici, là, les traces. Certainement laissé par des sangliers. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie pour trouver des emplacements. Un nouvel indice ici sur un rocher. Alors a priori on dirait des glands qui ont été mâchés, régurgités. Je gratte un petit peu dedans. Oui, c'est pas une crotte, c'était régurgité. Donc sur le rocher, est-ce que c'est typique du renard? Je ne sais pas. A priori, il y aurait une coulée, donc un passage d'animaux. Donc on le voit bien dans l'herbe, là, l'herbe qui est un petit peu couchée. Voilà, et il traverse le petit sentier donc, utilisé par les hommes pour traverser donc, de l'autre côté où on voit bien encore le marquage. Le positionnement de la caméra est très important et pour essayer de voir le maximum d'angle. Donc on cherche l'arbre le plus approprié avec rien qui gêne devant. Bon, mais donc, comme vous le voyez, on a mis en place la caméra, on l'a testée. On va tenter de la laisser une bonne semaine. Avec peut-être un déplacement, on va essayer de trouver un autre emplacement pour la déplacer. Et puis dimanche prochain, on va revenir voir un petit peu ce que ça a donné, quoi. Alors on est revenu 5 jours après pour récupérer la caméra et la positionner autre part. On a eu quelques déclenchements, donc on va vérifier ça sur l'ordinateur, mais je pense qu'on a au moins un chevreuil. Voilà la mise en place du piège photographique. Fred est en train de faire un petit camouflage avec du lierre autour de l'arbre qui permettra aux passants de ne pas trop repérer l'appareil. Et ensuite on ferme et on va cadenasser parce qu'évidemment il faut protéger cette installation. Et on reviendra donc ce week-end pour voir ce qu'il en est et peut-être faire un affût.